elle était en train de m'appeler de 16h où tu es pour qu'on prenne un café ensemble. Je suis rentrée chez moi, je lui dis je viens d'arriver. Elle m'a dit pourquoi tu tousses, je lui dis parce que j'étais au vieux port et j'ai respiré les gaz et j'ai mal. Elle m'a dit prends un verre du lait. Je lui dis j'en ai pas du lait. J'ai pris un verre d'eau, elle m'a dit attends je descends. Elle m'a ramené une bouteille de lait. Elle m'a dit repose-toi sur le fauteuil, je vais fermer ma fenêtre et je reviens vers toi pour avoir des nouvelles de vos petits-enfants qui sont à la Timone. Un bébé de 2 mois et une fille de 2 ans. Ils étaient de... Ils sont tous partis à la Timone par rapport au gaz qui est passé sur le vieux port. Oui. Elle est montée et après j'entends des pieds comme ça. Parce que juste au-dessus de la fenêtre, quand elle a reçu, elle a commencé à frapper. Taper pour me faire signe. Parce que son portable, les deux pièces étaient pleines de fumée. Et moi j'ai dit, oh qu'est-ce qu'elle veut, madame Zineb, je ne peux pas. J'arrive pas à respirer. Et là j'ai commencé. Je suis allée vers la porte, je la trouve. Nadia, aidez-moi. Ils m'ont visé sur le visage, un policier. Et là, je monte au 4e et je la trouve devant la salle de bain avec une serviette. Je l'ai fait sortir, je l'ai fait rentrer dans l'ascenseur. Je lui dis, rentre chez moi. Elle m'a dit, non, je rentre pas chez toi, je rentre dans la cage d'escalier. Appelle-moi l'ambulance et la police, regardez qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Et là, on était en train d'appeler partout, l'ambulance, les pompiers. C'était à peu près quelle heure, là ? Entre 6h et 7h. Ils sont venus jusqu'à 8h. Ils sont venus à 8h ? Oui, parce qu'ils ne pouvaient pas accéder. Parce que la route, était bloquée. On appelait les voisins, nous, elle aussi. Elle dit, après, ils l'ont passé, le médecin lui a dit, attendez, dites qu'est-ce qu'il y a, madame. Je dis, voilà, j'étais à la fenêtre, en train de fermer ma fenêtre. J'étais pas en train de regarder, j'étais pas en train de voir. Ils m'ont visé. Elle dit, comment ? Oui, il y avait 2 policiers sur le trottoir du C et A. Et ils m'ont visé sur en plein visage, comme ça. Elle montre avec sa main, comme ça. Il s'agit pour nous d'obtenir que le droit au logement et le droit à la ville soient une réalité pour chaque citoyen de Marseille. Au-delà de la question du logement, ce drame et la gestion de la crise ont révélé une nouvelle fois le visage d'une ville coupée en deux au sein même de certains quartiers. Le droit de me toucher, monsieur. Vous n'avez pas le droit. Non, non. Vous n'avez pas le droit. Non. Non. Vous n'avez pas le droit. Je suis ici. J'ai le droit de rester, monsieur. Moi, je n'ai rien fait. Je suis en spectacle. Je suis passé. J'ai filmé, monsieur. Mais vous n'avez pas le droit. Putain de con. Oh, vous allez me lâcher. Gazez-moi de près. Vous verrez. Vous voulez un dommage collatéral, vous l'aurez. Thank you.
Bah parce que je ne voulais pas partir. Et moi, ils m'ont laissé. Mais non, ils n'ont pas de raison. Putain, y'a la culée qui m'a visé là! Vous savez pas faire la différence? Vous êtes des enfoirés là! On m'a tiré dessus avec un flashball, j'ai dit un quoi? Exprès! Non, non, mais attendez, c'est scandaleux! Ils n'ont pas le droit! Ils n'ont pas le droit! Venez m'expliquer, vous inquiétez pas! Et en plus, ils vont me jeter une bombe dessus! J'ai rien, j'ai qu'un appareil photo! Qu'est-ce que vous faites avec un appareil photo? Je suis journaliste! Terminer les pompiers, monsieur, allez. Oh, facilite le travail. Allez, on prend droit, les gars. On prend droit. Attends. Ça va Oui, ah ben, j'ai déjà morflé, alors on m'a gazé, on m'a tout fait. Le 5 novembre, on a eu 8 morts à cause de l'incurie de la ville de Marseille. Samedi, on a eu un mort à cause des violences policières. Et c'est des violences policières qui ont tué des gens chez eux, qui n'avaient rien à voir avec les mobilisations. Une dame de 80 ans, qui était innocente.
au centre de tout et qui voulait juste se protéger des gaz lacrymogènes. Lévi victime et Madame Redouane Zineb qui nous a aussi quittés. Chaque lanterne représente pour nous une âme qui nous a quittés, qui va s'envoler dans le ciel. Il va partir. Pour shérif, pour Marie-Emmanuelle. Pour Sarah, pour Simona, pour Fabien. Voilà, il s'en va. Voilà. Allez. Pour Ginette. Ouais.